En réalité, le XIXe siècle a connu deux révolutions industrielles. Elles se différencient par l'énergie qu'elles utilisent et par leurs principaux secteurs industriels, c'est-à-dire par leur principale production. La première industrialisation commence au début du XIXe siècle et utilise l'énergie à vapeur. Elle concerne essentiellement trois secteurs industriels, l'industrie textile, comme ici à l'écran, c'est-à-dire la production de tissus, de vêtements, l'industrie métallurgique, notamment la sidérurgie, c'est-à-dire l'industrie spécialisée dans la fabrication de l'acier, et l'industrie des transports avec la révolution ferroviaire, le développement du train. Les premières locomotives apparaissent dès les années 1820. Elles utilisent la vapeur pour tirer des trains de plus en plus vite et de plus en plus lourds. Les locomotives à vapeur sont ni plus ni moins des machines à vapeur sur roues. Enfin, pour faire fonctionner les machines à vapeur, pour chauffer la chaudière des locomotives, il faut bien sûr extraire du sous-sol le combustible roi de la première industrialisation, c'est-à-dire le charbon. C'est parfois à plusieurs centaines de mètres sous terre que les mineurs de fond s'enfoncent chaque jour pour extraire la houille, c'est-à-dire le charbon. Bien sûr, tous ces secteurs industriels qui se développent s'entraînent et se nourrissent les uns les autres. Pour faire avancer les trains, il faut des rails en acier et du charbon. Donc le développement du train entraîne le développement de la sidérurgie et des charbonnages. Observez cette carte et répondez à la question suivante. Quel pays a été le point de départ de la révolution industrielle ? Et enfin, quelles sont les régions qui sont les plus industrialisées ? Comment expliquer que certaines régions soient très industrialisées et d'autres non ? Inutile de réécrire le titre en rouge, vous l'avez déjà écrit. Vous écrivez directement petit b, deux phases dans l'industrialisation. D'abord, la première industrialisation commence dès le début du XIXe siècle. Elle commence en Angleterre, puis se généralise en Europe. Elle est fondée sur le charbon, pour l'énergie à vapeur, et les industries textiles, sidérurgiques et ferroviaires. Elle améliore la productivité du travail, c'est-à-dire la quantité de travail produite en une heure. On travaille plus vite et on produit plus. Ah, la belle époque. La belle époque, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle. Ici, on est donc aux alentours des années 1900. Début du XXe siècle. Et ces images, exceptionnelles, en couleurs, sont révélatrices de ce qu'a été la deuxième industrialisation. La deuxième industrialisation commence à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880. Ce qui ne signifie pas que tout ce qui caractérisait la première période de l'industrie a disparu. Bien au contraire, la deuxième industrialisation est simplement le point de départ de nouveautés qui vont coexister pendant des années encore avec l'industrie plus ancienne. Ici, par exemple, on voit des constructions qui sont en acier. Ici, ce n'est pas la Tour Eiffel, mais la verrière du Grand Palais. La deuxième industrialisation, à partir des années 1880, donc, se caractérise par de nouvelles sources d'énergie qui, peu à peu, remplacent la vapeur. C'est l'électricité qui fait fonctionner des tramways, par exemple ici à Lyon, ou qui permet l'éclairage. Et puis, le pétrole, avec le développement du moteur à explosion. La deuxième industrialisation, c'est aussi de nouveaux secteurs industriels, de nouvelles productions. La production d'automobiles, bien sûr. Ici, vous avez la Ford T, qui est une voiture qui a été vendue à plus de 15 millions d'exemplaires. Et puis l'industrie chimique, pour faire fonctionner les moteurs, ou trouver des colorants pour les textiles. Et enfin, bien sûr, le matériel électrique. Enfin, la deuxième industrialisation fait évoluer les méthodes de production en mettant au point le principe du travail à la chaîne.
La deuxième industrialisation, à partir des années 1880, est basée sur de nouvelles énergies, le pétrole, l'électricité, de nouveaux secteurs industriels, l'automobile, la chimie, on peut rajouter l'électricité aussi, et de nouvelles méthodes, c'est le travail à la chaîne.